Affaire Alain Delon, l'avocat d'Anouchka évoque une tache suspecte sur son poumon caché depuis 2019. Ce dimanche 21 janvier 2024, l'émission de TF1, 7 à 8 a consacré un reportage à l'affaire Alain Delon. Franck Berton, désormais avocat d'Anouchka Delon, a évoqué une tache sur le poumon de l'acteur qui aurait été repérée par les équipes médicales l'entourant, en 2019. Depuis quelques semaines, tous les regards sont tournés vers la résidence de Douchy, dans le Loiret où réside à l'heure actuelle le monstre sacré du cinéma français, Alain Delon. Alors que les enfants de la star avaient montré un front uni pour évincer Iromi Rollin, la dame de compagnie d'Alain Delon, de la maison familiale l'été dernier, voilà plusieurs semaines que la fratrie se fait désormais la guerre par médias interposés et sur la scène judiciaire. Les fils d'Alain Delon reprochent ainsi à leur sœur Anouchka de vouloir profiter de l'état de faiblesse de leur père, très diminué depuis son AVC de 2019, afin de s'assurer une importante part de l'héritage. Dans une interview accordée à Paris Match et qui a mis le feu aux poudres, Anthony Delon accusait notamment sa cadette de leur avoir caché les résultats de tests cognitifs réalisés par leur père, alors même qu'Alain Fabien levait le voile sur l'état lamentable de celui auprès duquel il vit désormais. Une maladie constatée et confirmée, Alain Delon a une tache au poumon. Dimanche 21 janvier 2024, dans 7 à 8, sur TF1, Franck Berton, devenu l'avocat d'Anouchka après que Christophe Ayala lui a cédé la place, est revenu sur cette période. À l'automne 2019, peu après l'AVC d'Alain Delon, les médecins auraient soupçonné la présence d'une nouvelle pathologie. À l'occasion des différents tests qui ont été réalisés, on a découvert qu'il y avait une tache suspecte sur un poumon. Tout le monde a commencé à s'inquiéter, à suspecter une maladie et il s'est avéré que cette maladie a été constatée et confirmée. S'agit-il de celle dont Iromi Rollin, interrogé récemment au micro de RTL, parlait à mots couverts évoquant une conversation avec l'acteur? Le 21 novembre, à 19h, j'ai réussi à l'avoir sur son portable. Il avait une voix écrasée, comme s'il manquait de souffle. Après ce coup de téléphone, après que j'ai constaté l'état de sa voix, j'ai compris qu'ils ont arrêté le traitement, avait expliqué Iromi Rollin. Mes craintes ont été confirmées par les déclarations d'Anouchka et de son avocat, qui ont bien dit qu'il avait arrêté le traitement fin août. Ça fait 4 mois sans traitement, 6 mois sans contrôle médical. La vie d'Alain est en danger. Je n'ai pas peur de dire qu'il est en danger de mort. La justice a décidé d'intervenir avec une expertise médicale qui a eu lieu samedi 13 janvier dans la propriété de l'acteur afin de connaître son réel état de santé.